Bah salut petit pote, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vendredi Transpi. Commencez la journée, on commence même par le petit verre d'eau, très important pour le tube digestif. N'hésitez pas à m'envoyer une lettre de motivation pour vivre avec moi, comme ça je pourrais vous faire votre petit déjeuner. Petite session PEC, maintenant vous avez l'habitude, je vais un peu vous montrer l'amplitude que j'ai. Vous allez me dire si c'est des vraies pompes ou pas dans les commentaires avant que je fasse ce défi de 100 pompes qui aura lieu le dimanche 23 mai en direct de YouTube je pense, ou Twitch, on verra où on le fera. On a un petit spot pas mal. Voilà, sur du bon caillou, histoire de bien trouer ses petites mains. Bon, écoutez, wow. En vrai, je parais petit, mais je vous promets que je suis 1m74. Je pourrais vous montrer sur ma nouvelle carte d'identité qui arrive très prochainement. Il y aura inscrit 1m74, que je trouve pas si petit que ça. La société veut nous faire croire qu'on est petit par rapport aux gens qui idéalisent les 1m80. Mais non, force à ceux qui font 1m70, nous irons loin dans la vie. 4 séries, entre 10 et 20 répétitions. Ni plus ni moins, juste chaque semaine d'entraînement, par exemple de vendredi transpi, une rep en plus. Je sais pas si je suis clair, dans tous les cas si je suis pas clair, c'est pas mon métier, je suis pas coach sportif. Hop. Ok, 20 au compteur. J'aurais pu en faire plus, mais après la vidéo elle est beaucoup trop longue à monter. Totalement faux, je commençais à perdre mes pecs. Le sweat a explosé, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Voilà, le tissu a littéralement craqué avec un peu de sable dans la bouche, ce qui rajoute un petit côté croquant. À l'effort. Ah oui, j'ai oublié, pompe série longue, 60% de mon max. J'ai bien lancé le micro, parfait. 36 pompes. Bon voilà, 36 pompes réalisées. À toi de me dire dans les commentaires si l'amplitude est bonne. S'il y a quelques ingénieurs dans mes abonnés, dites-moi si le sable était judicieux pour réaliser ce type d'entraînement. Moi, je pense pas. La petite collation pour la récupération. Une petite pomme, la petite pomme du verger. J'espère qu'elle sera juteuse. Croquante. L'entraînement pectoral. Ou des petits bruits de forêt. Je n'aime pas trop ça. On sent que la nature est vivante. Ce vent de face, toujours au rendez-vous, qui enlève tout plaisir à la bicyclette. Je comptais finir cette journée à essayer de taper une traction à une main. C'est le prochain défi qui m'attend. Donc je vais essayer de voir où est-ce que je me situe. On y va, let's go. Ah, c'est un fail monumental. J'ai aucune force. Mon ressenti par rapport à ce qui vient de se passer, il y a du taf, du très gros taf. Bon, je pense qu'on va commencer par les petites tractions basiques. On va regarder quelques tutos pour voir comment on peut faire une traction à une main complète. L'épaule est encore positionnée sur le corps après ce qui vient de se passer. Plus de gêne que de mal. J'espère que ça t'a plu. C'est la fin de ce deuxième vendredi transpi. On se capte la semaine prochaine. Tenue de sport obligatoire. Ciao, ciao. N'hésitez pas à partager en balle cette chaîne, mettre des pouces bleus.